Voilà, bonjour à toutes et tous. Content de vous retrouver pour partager un moment de musique et vous partager l'expérience que j'ai de la musique et notamment du jeu sur la guitare. Ce soir, ce que je vous propose, avant de prendre des vacances d'été bien méritées, je vous propose de jouer sur un accord de septième altéré. Sur un accord de La7 altéré. C'est-à-dire un accord de La7 qui peut avoir une quinte augmentée ou une quinte diminuée ou une quarte augmentée, une bémol 9 ou une dièse 9. Voir certaines altérations en même temps, comme par exemple ici, quinte augmentée et dièse 9. Donc, pour jouer sur ce type d'accord, en fait, un accord de La7 altéré, je vais venir utiliser un mode que l'on appelle le mode altéré, tout simplement. Et en fait, ce mode est constitué des notes suivantes, en fait. Donc je pars du La, qui est la fondamentale de mon accord. Je vais avoir La, la fondamentale, Si bémol, La bémol 9, Do, la dièse 9, Do dièse, la tierce majeure du La 7, Mi bémol, la quarte augmentée, Fa, la quinte augmentée. Sol, la septième mineure, et je retombe sur la fondamentale. Et ce mode de la altéré, en fait, c'est le septième mode de la gamme mineure mélodique. Donc, on peut aussi dire que lorsque je joue sur le mode de la altéré, je suis sur la gamme de si bémol mineur mélodique. C'est quoi une gamme mineure mélodique? C'est une gamme majeure, mais attention, avec une tierce mineure. Donc, on peut penser le jeu sur cet accord de deux façons, soit en utilisant le mode de La altéré, soit la gamme de Si bémol mineur mélodique. C'est la même chose. J'ai préparé un petit backing track. Et je vais m'amuser à évoluer pendant un petit moment sur ce mode pour vous faire entendre la couleur de ce mode et après pour vous permettre à vous de travailler ce genre de choses. Je reste uniquement sur la 7 altérée. Je lance le backing track.